La Super Patrouille. Bonjour Ella. C'est vraiment une belle journée pour voler, n'est-ce pas? Oh, et regarde, Ben est aussi là dans les champs. Oh. Tu profites aussi du soleil, Ben. Oh mon Dieu, Ella. C'était quoi ce bruit? Oh non, Ella! Ben, nous devons aller chercher de l'aide. Tu pourrais donner l'alerte pour prévenir la super patrouille? Oh. Merci, Ben. Tiens bon, Ella. Les secours arrivent. Matt, Frank, Hector, je veux dire, la patrouille des chiots. J'avais oublié que c'était la journée des chiots aujourd'hui. Eh bien, nous ferions mieux de nous mettre au travail, les amis. Et là, l'hélicoptère a été emporté par le courant de la rivière. Vous pensez pouvoir l'aider? Matt, pourquoi tu n'irais pas directement là où la rivière et la mer se rencontrent? Comme ça, nous sommes sûrs de pouvoir l'attraper avant qu'elle ne soit vraiment en danger. Frank et Hector, Ben peut vous conduire jusqu'à l'endroit où se trouvait Ella. Allons-y. J'espère vraiment qu'Ella n'a pas été emportée trop loin le long de la rivière. Bravo, Matt. Tu es arrivé vite. Nous sommes presque à la fin de la rivière. Donc, nous pouvons surveiller Ella. Oh non! Matt, c'est une chute d'eau. Si Frank et Hector n'arrivent pas à attraper Ella, nous sommes perdus. Ne t'inquiète pas, Ella. Frank et Hector sont là pour t'aider. Hector, peux-tu trouver un moyen d'arrêter Ella? Le courant est vraiment fort, Hector. Tu as fait du bon travail pour ralentir Ella. Mais nous devons vraiment l'arrêter avant qu'elle n'atteigne la chute d'eau. Frank, y a-t-il autre chose qu'on n'a pas encore essayé? C'est une excellente idée, Frank. Ton échelle devrait pouvoir bloquer le passage d'Ella et l'empêcher d'aller tout droit vers la chute d'eau. Espérons que ça marche. La voilà qui arrive. Oui, ça a marché, Frank. Ella, la super patrouille t'a sauvé. Ne t'inquiète pas, Matt. Ella est sauvée maintenant. Hector, tu veux sortir Ella de la rivière pour la mettre en sécurité? Regardez, c'est Ben. Tout le monde va bien maintenant. Tu peux te détendre. Oh, c'est très gentil de ta part, Ben. Hector, Ben propose de remorquer Ella en lieu sûr. Étant donné que Frank et toi l'avaient sauvé de la chute d'eau. Ok, Ella. Ben va te remorquer vers le haut de la rivière et nous pourrons réparer cette hélice au garage. Hey.
Merci pour votre aide, les amis. À la prochaine. La super patrouille. Bonjour, les amis. C'est une belle journée pour faire un tour en voiture. Vous ne trouvez pas? Waouh! Fais attention! Oh non, Ben! Tu vas bien? Bonne idée, Cathy. Nos amis de la super patrouille pourront nous aider. Bonjour les amis. Ben a eu un accident. Pouvez-vous venir l'aider? Super. Allons-y. Dépêchons-nous, les amis. Franck, tu penses que tu peux sortir Ben de là? Bon travail. Heureusement que tu as pris une pièce de rechange. C'est mieux comme ça. Hein, Ben? Waouh! Bravo, Franck! Dis-moi, pourquoi Ben a perdu le contrôle d'après toi? Ah ah! Mais d'où viennent toutes ces billes? Hector, peux-tu suivre cette trace du ciel pour voir où elle mène? Allons les amis, voyons voir où ça va nous amener. Et que font ces enfants là-bas? Des billes! Ne vous inquiétez pas les enfants, vous n'aurez pas de problème. Matt peut-il vérifier votre sac à billes? C'est ça! Les billes ont dû s'échapper par ce trou! Ne vous inquiétez pas, les enfants. Nous allons le raccommoder. Vous avez fait du bon travail aujourd'hui, les amis. Au revoir, tout le monde! Au revoir, les amis! À la prochaine!
La super patrouille. Bonjour Henri. Bonjour Tom. Tu vas retoucher la peinture d'Henri pour qu'elle soit tout beau pour la grande course d'aujourd'hui. Que se passe-t-il, Tom? Tes peintures ont disparu. C'est une catastrophe. Oui, tu devrais appeler la super patrouille. Ils retrouveront peut-être les peintures avant que la course ne commence. Matt. Ouais. Franck, quelqu'un a volé les peintures de Tom. Parfait. Tom et Henri seront contents de savoir que la super patrouille se charge de l'affaire. Eh, mais où est Hector? Il est parti mettre fin à une bagarre. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que vous allez être obligé d'attraper le voleur de peinture sans lui. Matt est-il en train de chercher des traces de pneus? Il n'y a pas l'air d'en avoir par ici. Tu as trouvé des gouttes de peinture? Suivons les gouttes de peinture. Tu devrais suivre ces minuscules traces de pneus. Oh non! Les traces de pneus vont au même endroit. Elles ne mènent pas au voleur. Attendez, on dirait la voix d'Hector. La bagarre qu'il doit arrêter doit être à côté. C'est bébé Jérémy et bébé Ben. Mais pourquoi se disputent-ils? Hector a raison. Ce n'est pas une vraie bagarre. C'est une bataille de peinture. On dirait que tu as trouvé les voleurs de peinture. Il est temps de se laver, les enfants. Pas la tête, les enfants. Vous allez aimer ça. Prêt? Vous voyez? C'est tout aussi amusant de faire une bataille d'eau et c'est certainement moins salissant. Il est temps de rendre ses peintures à Tom pour qu'il puisse retoucher la peinture d'Henri avant le début de la course. Les bébés voitures sont tristes parce qu'ils ne savent plus à quoi jouer maintenant. Super idée, Matt. La course d'Henri va bientôt commencer. Matt dit que vous pourrez rejoindre la super patrouille là-bas une fois qu'ils auront rendu ses peintures à Tom. Bon travail, la super patrouille. Tom récupère ses peintures. Henri peut participer à la course et les enfants sont heureux.
Ah.